La marque Innovate, c'est une marque anglaise qui a été créée au nord de l'Angleterre. On a pour coutume de dire que c'est un endroit où la pluie tombe pas en vertical mais plutôt en horizontal. Donc on a vraiment des conditions qui sont assez tempétueuses, pas mal de boue, de l'air très glissant, mais à la fois aussi beaucoup de granit. Il y a du vieux granit là-bas avec des grosses boules de granit qui s'érodent en sable. Donc on a à peu près tous les terrains. Et ça, c'est une première particularité de la marque, c'est de pouvoir choisir une chaussure qui répond à tous les terrains. On a classé les chaussures de la gamme Extreme Runny. C'est une gamme où on va retrouver des gros crampons, beaucoup de grip, comme vous pouvez avoir sur les X-talons, et des chaussures qui vont accrocher dans les conditions très grasses. Ensuite, il y aura la gamme plutôt multi-runny, multi-terrain, où on retrouve la Rock Light. Et là, c'est la chaussure qu'on pourra utiliser quasiment tout le temps. Une gamme plus classique trail, on retrouve la Terra Claw que vous avez avec le X un peu devant. Et la Trail Talon qui est en gris, bleu et rouge. Et là donc c'est plus une chaussure de trail basique. Le leitmotiv Innovate, c'est d'avoir des chaussures légères. Donc en gros, ici, vous n'avez pas une chaussure qui dépasse les 300 grammes à vos pieds, qui se rapproche plutôt des 200 grammes. On a la X-Talon 212, la Trail Talon 250 et la Terra Claw 220. Ensuite, on a une chaussure qui est flexible, en flexion et en torsion, pour justement respecter tous les mouvements de nos pieds. La philosophie Innovate, c'est vraiment de redonner au pied le contrôle sur la chaussure et non l'inverse. Ça veut dire que le pied doit venir servir en premier temps d'amortisseur. Lors de la prise d'appui, on doit venir justement solliciter ses chaussures en prise d'appui avant-pied. Quand je dis prise d'appui avant-pied, c'est de venir armer le pied et de poser cette l'arche antérieure, c'est-à-dire l'arche qui est au-dessus de nos méta, en premier avec le sol. Et ensuite descendre le talon et repartir sur un autre cycle de foulée. Donc pour ce premier test Innovate avec Monsieur Granger, donc plutôt concluant, on a pu tester différents modèles de chaussures. Et pour ma part, j'étais très satisfait du modèle que j'ai utilisé et j'ai été très surpris de la légèreté de la chaussure et de l'accroche. Donc plutôt satisfait et concluant comme test.